Alors la première étape pour que notre guitare sonne bien, c'est bien évidemment de l'accorder correctement. Et pour ce faire, il y a plusieurs techniques. On peut le faire à l'oreille, on peut le faire avec les harmoniques, mais pour ce programme-ci, on va y aller avec le plus facile, c'est-à-dire avec un accordeur électronique comme celui-ci. Ça, c'est environ 20$ en magasin. Sinon, tout le monde de nos jours a une tablette ou un téléphone intelligent. Il y a une application qui s'appelle Guitar Tuna. C'est gratuit. Vous téléchargez ça sur le App Store ou Google Play, peu importe, et vous avez un accordeur sur votre téléphone ou votre tablette. Donc, je vais vous montrer comment ça marche de près. Et la seule chose que vous allez devoir savoir, c'est comment tourner les clés, ce qui est très facile, et de connaître la lettre qui est rattachée à chacune des cordes. Je vous montre ça immédiatement. Donc, la première étape pour bien accorder notre guitare, ça va être de connaître les lettres qui sont reliées à chacune de nos cordes sur la guitare. Parce que sur notre accordeur électronique, quand on va jouer une corde, l'accordeur électronique va détecter la corde par le son et va afficher une lettre qui est reliée à chacune des cordes. Et par la suite, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de mettre la petite aiguille dans le milieu, dans le vert, et notre guitare va être bien accordée. Alors, on commence tout de suite. La grosse corde, qui est la sixième, soit dit en passant. À la guitare, on compte toujours les cordes à partir d'en bas. On a six cordes, donc la première, c'est la petite. La deuxième, c'est celle-ci. 3, 4, 5, 6. Et là, vous pouvez voir que ma guitare est très mal accordée. C'est pour le bien de la cause. On y va. On va jouer la grosse corde. Et sur votre accordeur électronique, il va falloir que ce soit écrit E. Alors, on peut voir que sur mon accordeur électronique, c'est bel et bien écrit E. Par contre, la petite aiguille n'est pas dans le milieu, ok? Elle est un petit peu à gauche. Alors, il va falloir la ramener dans le milieu et ça, on va faire ça en serrant la corde. Comme ceci. Et là, un petit truc pour accorder. Il ne faut pas jouer la corde, l'arrêter et après ça, tourner. Parce que là, on n'a pas entendu la corde bouger et ça pourrait arriver qu'on serre trop. Et là, boum! On casserait la corde, d'accord? Donc, faut pas faire ça. Le truc pour accorder, on joue la note, on joue la corde, pardon, et on tourne la clé pendant que la corde résonne, d'accord? Il faut pas faire... Oh non, je suis passé tout droit. Oh non, je suis passé tout droit, ok? C'est important de toujours laisser la corde résonner. Et évidemment, de toujours regarder si on tourne bien la bonne clé, d'accord? Donc, la clé ici, la première ici est reliée à la grosse corde, celle-ci à la cinquième, et ainsi de suite. Le mieux que vous pouvez faire, c'est de simplement regarder jusqu'où la corde s'en va pour bien tourner la bonne. Parce que, comme je vous ai dit, si par exemple, on joue celle-ci, mais qu'on tourne la mauvaise clé, eh bien là, ça se peut qu'on tourne celle-là et qu'on casse la corde finalement, d'accord? Donc, très important de toujours regarder quelle clé on tourne pour être certain que ce soit la bonne. Alors, on accorde notre guitare, on va jouer la grosse corde. Sur notre accordeur, ça va être écrit un E. Alors, c'est écrit un E et là, je vais tourner un peu pour la ramener jusque dans le milieu. Je vais serrer. Jusqu'à temps que j'ai un son. D'ailleurs, un petit truc. Sur votre accordeur électronique, si vous prenez cette application-là, en haut à droite, vous avez un petit bouton qui est écrit « Auto ». C'est important de peser dessus pour que ça soit détecté automatiquement le son. Ensuite, la prochaine corde, celle tout de suite après la grosse, c'est un « A ». Même chose. L'accordeur a détecté que c'était un A, mais il n'est pas dans le milieu ni dans le vert. Alors, je vais encore une fois serrer parce que l'aiguille est à gauche. Donc, je dois la ramener dans le milieu. Je vais serrer un peu pour que le son devienne plus aigu. On y va doucement. Ma guitare, la corde de A, la corde de La, soit dit en passant,
est accordée. Maintenant, je vais passer à la prochaine, qui est un Ré, et sur l'accordeur, va falloir que ce soit écrit D. Oh, celle-ci est un peu trop aiguë, donc ça, l'aiguille est à droite du milieu. Alors, je vais desserrer un peu, je vais tourner dans le sens... dans le sens de l'aiguille d'une montre sur ma guitare. Ça, par contre, va falloir vraiment vérifier avec votre guitare parce que parfois, il y a des gens qui installent les cordes à l'envers. Alors, normalement, quand on serre, on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et quand on desserre, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ma corde de Ré... rendue dans le milieu... Oh. Ceci. Maintenant, la corde de Sol, la troisième corde à partir d'en bas, celle-ci, c'est un G. Alors, je joue ma corde. Encore une fois, un petit peu trop basse. Alors, je vais serrer. Et voilà, maintenant la deuxième corde, l'avant-dernière, c'est un B. B comme bébé. Celle-ci est un peu trop haute, alors je vais desserrer un petit peu. On est correct. Et la petite corde finalement, qui est également un E, c'est la même note que la grosse. Un petit peu trop haute également. Je desserre comme ceci. Et là, ma guitare est accordée. Alors, c'est très important d'y aller lentement, de ne pas faire des gros tournants comme ça. OK, on y va progressivement jusqu'à temps qu'on trouve notre note. D'accord? Si on tourne trop vite, on va simplement passer à côté et ça va être encore plus compliqué d'accorder la guitare.